pour boire du champ hein, et fêter leur victoire. Et voilà comment ils ont été accueillis. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. Sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. C'était un peu passé inaperçu, tout comme la réponse de Teddy Riner, qui a moyen apprécié les remontrances présidentielles. Se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. Confronter notre jeunesse à l'international. Alors, on pourra toujours se cacher derrière le Covid.